Abricop, c'est une alternative citoyenne qui veut remettre l'habitat vraiment au cœur d'une vie, quoi. On a tous besoin d'un toit. L'association La Jeune Pousse, qu'on a créée donc il y a 7 ans maintenant, avait vraiment la volonté de créer une coopérative d'habitants. Notre immeuble se situe dans un îlot réservé à l'habitat participatif sur l'écoquartier de la Cartoucherie. Une innovation un petit peu toulousaine et même nationale de réserver un îlot vraiment propre à l'habitat participatif sur un écoquartier. Alors une coopérative d'habitants, c'est des gens qui se mettent ensemble pour acheter collectivement un bien. Et après, chaque coopérateur, parce qu'ils se mettent en coopérative, ils sont locataires de leur logement. C'est vraiment la volonté de sortir du cycle propriétaire-locataire qui conduit à toutes les aberrations et de pouvoir être à la fois collectivement le propriétaire et individuellement le locataire et d'être contraint, j'ai dire, à gérer les deux bouts du problème. Sur une dimension politique, c'est que c'est un peu innovant. On est sur pour moi, une notion innovante par rapport au logement et de créer une autre forme d'accession au logement et une troisième voie vers le logement. Dans la propriété collective, finalement, il y a moins de liberté qu'une propriété individuelle, sauf que grâce à la propriété collective, eh ben, ça va permettre de sortir le logement de la spéculation et ça va permettre d'avoir des loyers qui sont beaucoup plus bas qu'à l'heure actuelle. Alors, politiquement, moi, c'est un peu ce qui me motive le plus. C'est vraiment l'idée qu'on propose quelque chose de radicalement différent de la location et de l'accession à la propriété en achetant quelques parts sociales qu'on revendra sans plus-value. Ça veut dire que c'est des pans entiers de villes qui sortent du mécanisme de spéculation, de flambée des prix qui fait tant de ravages sociaux. Ça, c'est le gros intérêt politique. Et en plus, on a une grande variété de revenus dans un même immeuble, donc une mixité sociale à l'intérieur d'un même immeuble. Ça aussi, en France, c'est tout à fait rare et c'est très intéressant à organiser. Alors sur le plan écologique, moi ce que je mets le plus en avant, c'est vraiment le fait de pouvoir mutualiser des choses, le fait de ne plus avoir besoin d'un congélateur, de ne plus avoir besoin d'une machine à laver, de partager des choses comme ça, ou de trouver en ville quelque chose qu'on serait allé chercher loin pour l'avoir sinon. Je pense à un jardin en particulier. Pour retrouver un jardin abordable, on est obligé de partir loin et de faire beaucoup de voitures. Là, on peut trouver en ville, en le payant à plusieurs, un jardin chouette, bien aménagé, qu'on entretient ensemble. Alors, dans notre projet à nous, il y a des espaces mutualisés avec les autres immeubles de l'îlot participatif auquel on appartient, une grande salle polyvalente, un grand jardin et un atelier de bricolage. Et puis, à l'échelle de notre immeuble, de la coopérative Abricop, il y a trois chambres d'amis, un jardin sur les toits et un jardin en rez-de-chaussée, et puis une salle commune, une sorte de séjour, salle à manger, salle de réunion. Et plus, qu'est-ce que j'oublie, des rangements essentiellement, et puis cette fameuse buanderie dans laquelle il y aura machine à laver, etc. Quand on a des chambres d'amis collectives, ça évite que chaque appartement ait une chambre, donc on fait des économies d'argent, enfin de mètres carrés d'argent, et puis je dirais que c'est une façon de ne pas se croiser simplement dans le couloir ou l'ascenseur, mais d'avoir des occasions multiples d'être ensemble, hein, et de se rencontrer, de se connaître. L'aspect humain, c'est dire, connaître ses voisins, savoir comment ils vont, faire des choses ensemble, participer à l'amélioration de son cadre de vie ensemble, de son logement. C'est de l'éducation populaire, c'est apprendre des savoirs des autres.
particularité d'Abrecoop sur le plan humain par rapport à d'autres coopératives d'habitants, c'est vraiment la mixité des âges. On a vraiment tous les âges de la vingtaine à 70-80 ans. Ça, c'est une vraie variété, c'est un choix depuis le début et on l'a même ancré puisque certains de nos financements et des critères qu'on a dû satisfaire pour les obtenir nous engagent à avoir un minimum de logements affectés à des personnes retraitées. C'est une très grande aventure humaine, on lit tout le temps comme ça, mais je pense que c'est vrai. Et ça bouscule forcément, puisque c'est des rencontres aussi humaines et que des fois, peut-être, ça nous... Déjà, le modèle de concevoir tous ensemble, d'être dans une propriété collective, ça bouscule un petit peu les schémas de pensée courants. Donc ouais, ça bouscule un peu, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment l'occasion d'apprendre beaucoup en permanence en s'intéressant à des enjeux décisifs pour la ville et en devenant acteur à part entière plutôt que de les subir en s'en désolant.